ces 5 Aircross est véritablement un SUV sans aucune concession. Vous retrouvez par exemple la garde au sol grâce à des grandes roues. Vous avez aussi ce bloc avant qui a une très forte prestance. Une vue arrière très monolithique, très solide, qui donne énormément de force au concept. Sur le style extérieur de ces 5 Aircross, vous retrouvez aussi tous les marqueurs qu'on utilise dans notre design. Ce sont des éléments graphiques forts, comme le montant à noir, comme la signature aussi en élévation avec le C chromé, les protections latérales en bas de porte, ou la face avant à double étage, des jeux graphiques très forts, et aussi évidemment ce langage formel, très lisse, très pur, dénué de toute agressivité. Alors l'intérieur, ce qui vous frappera, c'est la cohérence qu'il y a avec le reste de la gamme, c'est ce bandeau transversal qui donne beaucoup de largeur, d'espace intérieur perçu, qui est aussi, dans son dessin, par ses sections, robuste, plein, solide. Ça donne aussi un côté cossu à la voiture. Et puis il y a des interventions graphiques très fortes, par exemple sur les aérateurs, qui leur donnent beaucoup de caractère. C5 Aircross, c'est un peu comme un rêve pour nos designers puisqu'on a démarré le style de cette voiture à travers le concept car Aircross que nous avions dévoilé à Shanghai en 2015. Il y a eu un tel engouement de la presse autour de ce véhicule qu'on s'est dit ben, finalement on le tient, il n'y a plus qu'à le faire. Et ce sont rigoureusement les mêmes équipes qui ont travaillé sur la voiture de production. Ce sont d'ailleurs les mêmes thèmes de style que nous avons réussi à préserver tout au long du projet. C5 Aircross, c'est l'esprit de Citroën dans le SUV. Mais c'est aussi l'esprit du SUV dans une Citroën.